Voilà le mouton noir. Alors maintenant, nous allons peut-être faire plus ample connaissance avec la co-vedette de ce film, Alice et Hélène Rollès. Je peux te tutoyer encore. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Tu es de la Sarthe, du Mans? Oui, du Mans. Du Mans, tu es encore au lycée, bien sûr. Oui, je suis en quatrième. Alors comment tu as rencontré Jean-Pierre Moscardo? C'est passé comment? Il y avait dans Paris Match, il y avait un article qui demandait... Il y a une annonce dans Paris Match, oui. un article qui demandait donc à des jeunes de se présenter pour un film. Oui. Et puis j'ai passé des essais. Mais qui a lu l'article? C'est toi? Non, ma grand-mère. C'est ta grand-mère? Mortagne. Qui habite à Mortagne. Et ta grand-mère t'a téléphoné? Oui. Elle s'appelle Marouani, ta grand-mère, non? Une grand-mère. C'est ta grand-mère qui est tombée sur l'article de Paris Match. Ouais. Elle a appelé. Elle t'a dit, ma petite fille, si tu veux faire du cinéma, c'est le moment. Mmh. Et tes parents, quand ils te disent? Oui, ils sont d'accord. Hein. Ils sont d'accord. C'est passé comme ça, Jean-Pierre, elle est venue? C'est passé comme ça, elle est venue. Et puis, j'en avais vu à peu près une quarantaine ou une cinquantaine. Et puis, Brice, à un moment donné, me dit, on ne trouvait pas. Et Brice, à un moment donné, me dit, bah écoute, il y en a une dans le couloir, prends-la, viens, on la fait rentrer. On la fait rentrer, on lui donne la scène à lire. Et puis c'était pas mal. Et alors à un moment donné, je l'accule, j'étais en train de la questionner. Et elle me dit, tu sais que t'as l'air d'être con. Non. Alors voilà, comme ça, je l'ai encaché. Bon, tu vas toujours en classe, monsieur? Oui, en quatrième. Oui. Au Mans? Oui, au plateau. Au plateau. Et tu aimerais maintenant faire ce métier? Je sais pas si ça se représente, oui. On sait jamais, mais on va demander à Marie Dubois, je crois qu'elle a des dispositions. Hein. Évidemment. Étonnant. Alors Jacques, nous sommes... Déjà, la fidélité, elle ne connaît plus déjà. Hein, ouais, bah oui, on pense déjà à un autre metteur en scène. Ah ouais, enfin.